Les cerveaux bouillonnants de la robotique sont réunis ici, au centre de convention de l'EPFL. Le Swiss Robotics Day, c'est la vitrine des écoles polytechniques fédérales et de l'industrie robotique. Les robots suisses ont la cote avec deux spécialités, les engins mobiles qu'ils volent rampe ou marche et les prothèses utilisées dans la santé ou l'industrie. Avec cette prothèse, à la place de vous pencher dans une position inadéquate pour votre dos, vous pouvez vous asseoir sans effort et travailler. Ensuite, vous pouvez vous lever sans problème. Des engins qui assistent l'homme dans des tâches physiques difficiles, d'autres qui permettent à une main blessée de réapprendre le mouvement, à une personne paralysée de marcher. Le succès de la robotique suisse n'est pas récent. Il commence dans les années 70 avec le groupe ABB, premier à vendre des bras robotisés pour les chaînes d'assemblage de l'industrie automobile. Depuis, le groupe ABB est devenu le troisième groupe de robotique mondiale. Et le savoir-faire suisse est reconnu partout. Le directeur de Wired, un magazine de technologie internationale, a dit que la Suisse est la gold mine, la pépinière de la robotique mondiale. Les raisons du succès, une tradition de l'industrie de pointe, un réseau universitaire scientifique de haut niveau, mais aussi une volonté de la Confédération de miser sur cette industrie avec le lancement d'un programme national de robotique il y a 12 ans. L'aide aussi est importante. Si on regarde la contribution de la Confédération et la contribution de l'EPFL et de l'ETH, sur les 12 ans, nous sommes autour de 60 millions de francs suisses. Le marché mondial de la robotique est évalué à 28 milliards de chiffres d'affaires annuels, et ce n'est qu'un début. Jusqu'à présent, les robots ne concernaient que l'industrie et la santé. Demain, ils vous assisteront dans vos tâches quotidiennes et apprendront l'écriture à vos enfants.